Tommy Tallarico Studios. Bah moi l'intro je la trouve mais alors ultra nanardesque. Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur PlayStation 1. Alors pour ceux du fond vraiment qui n'ont pas suivi du tout, on se retrouve pour un jeu tiré de la licence James Bond, hein, donc Demain ne meurt jamais. Un jeu d'action sur PlayStation. Alors je vais charger ma sauvegarde parce que j'ai refini le jeu pour l'occasion. Comme ça on a tous les niveaux. Même si le dernier niveau, putain, je suis mort, à la dernière porte, il y avait un garde qui m'a tiré dans le dos. Alors vous le voyez, on a le choix entre 11 niveaux, 10 niveaux, 10 missions. Alors, c'est pas beaucoup et en plus, certaines sont très très courtes. Alors, vous savez quoi, on va commencer par la première. Alors, à chaque mission, par contre, on aura pas mal de petites vidéos, de briefings, de trucs comme ça. C'est assez qui nous présenteront les objectifs. Alors le jeu est entièrement en français, donc ça c'est vraiment sympa. Après les briefings, c'est un peu, on s'en fout un peu. Hein. Là c'était juste pour vous montrer, on va le passer. De toute façon, ça, globalement, ça suit la trame du film. Donc on aura beaucoup d'action surtout, et on aura toujours des petits objectifs, j'ai envie de dire, à la James Bond, avec des petits gadgets à utiliser, des petits trucs à faire. Bon, globalement le jeu, alors voilà. Donc là, premier niveau, un petit air de... un petit air de Metal Gear, mais un petit seulement. Alors le jeu, alors on peut viser en vue subjective, on peut se baisser. Alors je vais essayer de le buter furtivement, même si on peut pas dans le jeu. Alors on a les gâchettes pour gauche-droite, on a ça pour le menu des armes, pour le menu des gadgets. Alors vous voyez déjà, dès la première mission, on aura un gadget à utiliser. Ensuite, on a Start. Et ensuite, bah voilà, on peut diriger notre perso. Alors on aura pas mal d'éléments qu'on peut détruire. Alors le petit flingue de base, on a munitions infinies. Hein. Donc ça c'est cool. Alors on pourra soigner avec des trousses de soins. C'est encore un jeu en fait où il y a aussi des vies. Alors c'est assez... Ça peut paraître étonnant, mais il y a des vies dans le jeu. On a, vous voyez, j'ai trois bandes. Alors c'est un jeu d'action. Alors il y a une visée auto aussi, hein, évidemment, j'ai envie de dire. Alors les ennemis vont nous lâcher des... Alors la Kalachnikov, c'est peut-être finalement l'arme qu'on utilisera le plus dans le jeu. Alors des fois c'est... Alors vous voyez que le jeu, par contre, il est super dur. Vous avez vu un peu comment ma vie... Alors là on voit pas, bon, petit souci de caméra, hein, j'ai envie de dire, ça c'est un peu un classique des jeux 3D comme ça. Alors vous avez vu un peu ma vie déjà, comment elle a baissé. Hein. Alors votre vie, vous la perdez très très vite. Alors on peut tout péter si on a envie. Il y a pas mal d'éléments, de petits éléments comme ça qui sont destructibles. Bon là évidemment j'ai enclenché l'alarme. Mais parfois en fait ce serait intéressant de détruire des objets parce que comme là, vous avez vu, j'ai chopé une trousse de soins. Alors là on va se dépêcher de monter dans la tour. Parce qu'il y a un sniper. Alors le jeu, le début du jeu est un peu tendu quand même. Faut faire super gaffe. En fait on peut y aller, on va dire discretos, mais c'est marginal. En fait les phases on peut... Alors là, en fait ça c'est la visée auto qui foire. Il nous dit qu'on peut tirer, mais en fait il va tout le temps tirer dans le mur. Voilà. Ok. Donc on a, vous avez vu, on a des gilets blindés. Alors là je vais me soigner un peu.
Alors globalement, c'est un jeu d'action, une légère, très légère touche d'infiltration, très légère. Hein. Alors on va, il va recharger, on va prendre la Kalash. Très légère touche d'infiltration, mais surtout une bonne grosse composante action dans le jeu. Hein. Alors c'est un jeu assez sympa. Moi c'est un jeu, je pense que c'est un jeu que pas mal de monde a connu à l'époque. Alors il fait vraiment, il profite en fait surtout de la licence James Bond finalement. Hein. Parce que si vous le comparez à un Siphon Filter, alors le jeu il est sorti à peu près à la même période. Hein. Là je pourrais, merde, j'ai pas regardé, je pourrais pas vous dire la date de sortie. Ah putain, alors là j'ai, là vous avez vu, j'ai fait le con. Attendez. J'ai fait le con parce que j'ai pas regardé. Mais je dirais, à l'instinct comme ça va être un jeu de 98 ou... Ouais, ça doit être 98. Donc il y avait déjà eu Metal Gear et toute l'équipe. Hein. Alors attendez. Il y avait déjà eu en tout cas Siphon Filter. Alors voyez, quand on leur tire une balle en pleine tête, par contre vous avez vu, il y a la petite indication en rouge. Donc ça c'est sympa. Alors faudra straffer. Hein. J'ai toujours eu... Alors je ne sais pas, je suis pas 100% sûr. J'ai toujours eu l'impression que quand on se baisse, Bond divise un petit peu mieux les ennemis. Alors vous avez vu, il y a parfois des... Ça ce sera un des défauts du jeu. Parfois il y a des ennemis qui spawnent comme ça. Là vous avez vu, à peine je suis rentré dans la zone, il y a des ennemis qui... Et puis il y aura aussi plusieurs... pas mal de moments où les ennemis vont respawn à l'infini quand il y a des alertes, à certains passages. Donc il faudra faire super gaffe parce qu'on a une barre de vie, c'est limité, donc il faut quand même mettre les nids. Alors là j'ai trouvé une vie, ça c'est cool. Les niveaux sont courts mais mine de rien, comme on meurt très très vite comme une merde, bah voilà, je me fais allumer. Alors parfois la visée auto... Oh là là. Oh là là, vous avez vu. Hein. Voilà. Roulade... Allez, crève, crève, crève. Alors vous avez vu, la visée auto elle est pas... Dès qu'on est plus... Là c'est pareil pour ramasser un bonus. Putain, vous avez vu. Alors le jeu il est un peu mal foutu. Hein. Disons qu'il a clairement des soucis de finition. Il est un peu buggé. Ah putain. Il est un peu buggé, il est un peu merdique. En fait c'est pas du tout un hit. Hein. C'est un jeu même très moyen. Mais je sais pas pourquoi. Il y a l'ambiance James Bond. C'est quand même un gros jeu d'action. En fait il est sympathique. Franchement... J'ai envie, si je serais méchant, je pourrais dire c'est une daube sympathique. En fait, je pourrais pas expliquer. Alors là, on a le sniper. Alors, le sniper, c'est assez sympa. Hein. On peut. C'est quand même pas mal le sniper. Ouais, c'est une daube. C'est un jeu très très moyen moins, mais sympa. C'est pas pourquoi. La licence James Bond. Malgré tout, les missions sont assez amusantes, assez rigolotes. Le jeu, finalement, il adapte assez. Il adapte assez bien le film. C'est... Voilà. En clair, on n'est pas sur du gold. On n'est pas sur du GoldenEye, hein, je crois qu'il faut être clair. Ça, c'est clair et net, putain. Les mecs, ils sont dans les tours, ils nous allument, mais grave. Voilà. Moi, j'aime bien me baisser comme ça, j'ai toujours l'impression qu'ils visent mieux. Hein. Je sais pas du tout si finalement c'est... Enfin, moi, c'est un jeu que j'ai eu à l'époque, c'est un jeu que j'ai... En fait, je l'aurais jamais acheté, hein. Parce que ce qui est assez rigolo avec ce jeu, c'est que moi, à cette époque-là, à l'époque de GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, j'aimais pas du tout la licence James Bond. Les vieux films avec Roger Moore, j'ai trouvé nul à chier. Avec Sean Connery, ça m'a jamais trop intéressé. En fait, j'ai jamais trop regardé. Et donc, c'était vraiment une licence qui m'intéressait pas. Et en jouant à ce Demain ne meurt jamais, il y avait pas mal d'extraits du film. Et c'est vrai que les extraits du film qui sont montrés, c'est 100% action, quoi. Hein. C'est surtout les grosses scènes d'action du film. Qui en regorge. Hein. C'est un film assez bourrin finalement, avec pas mal de scènes, de grosses scènes de baston. Beaucoup d'explosions, c'est vraiment un film à l'ancienne. Et en fait, c'est le truc qui m'a... Du coup, j'ai regardé le film en fait, du coup. Et ça m'a plu finalement, le côté un peu nanar, l'humour. Alors là, vous voyez, c'est un des moments où il faut utiliser le gadget. Voilà. Ne perdez R1. Pas la cible. Alors c'est pas mal parce qu'on a la vraie voix de Pierce Brosnan, donc ça c'est cool, c'est le vrai doublage. Donc là on a détruit ça et on va pouvoir continuer. Ah vous voyez ça c'est... Ah non alors attendez, d'abord on a un assaut hélicoptère qui vient nous attaquer, fumier. Mais bon on va pouvoir cueillir tous les soldats là. Ils sont vraiment couillons.
Voilà, on va pouvoir tous les cueillir. Voilà. Ils sont vraiment cons, hein. Merde, là, c'est moi. Alors, la vie, globalement, bon. Ah oui, parce qu'il nous fallait une carte. Alors, globalement, la visée auto, elle marche plutôt bien, mais il faut vraiment... Merde! Après qu'il allait se barrer. La visée auto marche plutôt bien, mais c'est quand même hyper sensible. Faut vraiment bien se poser. Vaut mieux rester pas trop en mouvement, parce que James Bond, il va commencer à tirer n'importe où. On gâche très très vite des munitions. Faut quand même faire gaffe, hein. Alors là, trop fort. Préparation des skis. Alors là, une des phases aussi que j'avais vraiment aimé à l'époque, hein, la phase en ski comme ça, la petite course-poursuite là dans la... C'est vrai, bon, c'est assez amusant. On sent l'influence des jeux comme Cool Border par exemple. Non, mais c'est vrai en plus, hein. Alors là, James Bond qui nous fait des... Putain, qu'est-ce que c'est nanar. James Bond qui en profite pour nous faire des sauts de ouf là. Non, après tout, c'est 007. On peut taper les mecs, mais c'est assez merdique. Ah putain. Qui se pète la gueule. Oh putain, c'est vraiment mal fait, hein. Voilà, lui on l'a tué, il se vautre comme une merde. Alors ça, franchement, c'était une scène. Alors je m'y attendais pas du tout la première fois que j'y jouais. Et même si c'est un peu couillon, je trouvais ça sympa. Alors les trousses, elles sont vraiment... Vous avez vu, il faut vraiment... Putain, voilà, j'ai joué comme une bite, mais trop fort. Je sais pas si vous avez vu, il faut vraiment passer dessus pour les ramasser, hein. Voilà. Alors là, on a tout un commando d'enfoirés qui nous poursuit. L'autre qui continue. Alors on peut taper des deux côtés, hein. Mais le mieux, c'est essayer d'esquiver, surtout de les ignorer. Alors là, on va faire un méga saut. Ce jeu, c'est un peu les jeux. En fait, ce jeu, c'est un peu les jeux super courts à licence. Enfin, les super courts à la Call of Duty. Le jeu d'action. Alors on va pas dire bien emballé, parce que. Mais en fait, il y a plein de trucs sympas. Si vous le faites, parce que le jeu est méga court. Je veux dire, si on est à fond dedans. Si on est à fond dedans, qu'on connaît bien le jeu, je vous promets, en 1h30, si vous crevez pas trop, parce qu'il est quand même difficile, en 1h30, vous le terminez. Hein. Il est plus court que le film. Voilà, énorme. Le petit parachute british avec le petit logo à James Bond, putain, c'est ultra nanar, mais bon, ça, c'est quand même sympa, ça fonctionne. Alors là, on va peut-être faire le deuxième niveau, je vous montre tout de suite avec l'avion, avec le marché noir des armes, là, c'est assez sympathique. Pareil, il y a aussi des objectifs qui sont plutôt cool. On va continuer. Alors ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois on peut choisir quand on a... Bon, on va faire celui-là, marché d'armes. Je vais vous montrer quelques niveaux, hein. De toute façon, globalement, c'est un jeu très moyen. Aujourd'hui, la maniabilité a très mal vieilli. On a du mal, même quand je l'ai repris, ça faisait quelques années, vraiment des années que j'y avais plus joué. J'ai eu du mal à me mettre dedans, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a accepté les règles un peu bancales du jeu, bah, il y a quand même moyen de s'amuser. Je pense que par exemple, pour un fan de James Bond... Bah c'est quand même un jeu à faire, et mine de rien, alors ça c'est mon impression, peut-être que je me trompe, hein, mais mine de rien c'est un jeu que pas mal de gens avaient. Hein. Alors là vous allez voir, alors là c'est pas mal parce que on a un appareil photo, donc il faut prendre des photos des armes. Oh putain, qui c'est qui m'allume là? Ah oui, enfoiré. Alors pareil, pour chaque mission, par contre faut pas du tout hésiter à utiliser ses munitions, ses balles, enfin tout ce qu'on a, parce que... En fait, d'une mission à l'autre, c'est réinitialisé. Ouais. Alors là, on va prendre... Donc, il faut pas du tout hésiter à utiliser ses armes, ses munitions. Par exemple, la mitraillette, hein, faut pas du tout hésiter à l'utiliser. Alors là, on va utiliser l'appareil photo. En gros, faut prendre des preuves qu'il y a un... Putain. Putain, il est où? Et voilà, vous avez vu ce que je vous disais. Ça, c'est quand même pénible. Ça, c'est un des défauts du jeu. Ils ont rajouté des... Le mec a... Vous êtes d'accord? Il était pas là avant. Il m'a spawné. Il nous a spawné dessus, là, d'un seul coup. Ça, c'est assez naze. Et là, on se dit... Alors là, on est coincé dans la zone. Si je vais à la porte là-bas, j'y vais pas, hein, parce que de toute façon, il va nous dire... on peut pas passer. Alors, déjà, on va prendre... Alors, on a des mines. C'est vraiment pas mal, hein. Et en fait... Voilà. On va utiliser la mine. On a un détonateur. Et en fait, on va s'ouvrir un chemin. Et ça, moi, je dois avouer que je trouve ça cool. Franchement, c'est vraiment sympathique.
Alors là, avec la petite roulade à la James Bond. Oh là là, ils ont rien vu venir. Vous avez vu un peu? Vous voyez, et ça, alors ça, par exemple, c'est une bonne idée du jeu. Même si finalement, vous avez vu, c'est une toute petite séquence. Mais moi, je trouve, voilà, il va appeler. La marine anglaise vient de larguer un missile de croisière Tomahawk. Ouais, il nous dit pour le missile. Évacuation immédiate. Et ben, moi, je trouve que ça, typiquement, c'est une des bonnes idées du jeu. C'est vraiment sympa, même si en fait ce sera utilisé que là, donc y a rien. En fait, c'est une toute petite séquence, mais pourtant l'idée était bonne. C'est dommage qu'il n'y a pas plusieurs utilisations, quoi. Alors là, James Bond, il va voir qu'il y a l'avion avec la bombe. Ogive nucléaire, là, ça va. Là, il faut se tirer vite fait. Là, on va se retrouver dans une zone de combat, vous allez voir. Et vous allez voir aussi, si j'y arrive sans mourir, hein, vous allez voir un peu comme cette mission est courte. Je dois absolument quitter l'appareil. Hop. Alors la modélisation. Alors on va peut-être parler des graphismes. Bon. Franchement, pour un jeu aussi court, c'est pas très très joli. Moi je trouve. J'ai toujours trouvé que c'était assez moche. Moi personnellement, je trouve que les graphismes sont dégueux. Enfin dégueux. Ils sont très moyens. Franchement, même pour de la. C'est pas question de PS1. Hein. Même pour de la PS1, franchement, elle est capable de mieux. Surtout à cette période. Hein. Je veux dire, il y a eu Metal Gear, Tomb Raider 3. Il y a eu quand même beaucoup. Ah voilà, j'ai les clés du cockpit. Alors on va y aller. Alors vous avez vu, on se fait vraiment allumer. Hein. Clés du cockpit. Allez hop, c'est parti. Et alors là, bourrinage. Bourrinage de ouf, missile. Ah putain, j'ai loupé un truc. Là vous pouvez vous amuser. Mais il va faire deux tours, c'est ça, c'est ça qu'il y a. J'avoue que ça c'est assez rigolo. Il va faire deux tours. On va essayer de pas louper la bagnole. Oh putain, elle a eu la Jeep, elle a eu de la chance. Le propriétaire de la Jeep pourra la récupérer, trop fort. Et là on se casse et là, mission remplie. Alors là on se dit. Aïe. Ouais. C'est quand même vachement court. Hein. C'est quand même très très court. Hein. Et il y aura pareil la mission en voiture. C'est... Ah bah, je vais peut-être vous montrer la mission en bas. Il y a une mission où on conduit la fameuse BMW là du film. Alors là, trop fort. Extrait du film. Alors ça, c'était quand même sympa. Ça, c'était quand même sympa. Même si là, vous avez vu le. L'image est assez ratatinée comme ça là. Alors je sais pas si c'est parce que moi j'ai mis en 16/9. Mais il me semble que de toute façon, l'image était pas. Alors là, les grosses explosions. C'est vrai que ça donne envie de voir le film. On se dit putain, c'est quand même un putain de film d'action. Et là, je crois qu'ils nous mettent le générique d'ailleurs. Trop fort James Bond. À la cool. Et là pff, le moteur. Franchement faut avouer que c'est quand même stylé. Ah non non ouais c'était eux qui. Ouais ouais. Il y a les espèces de barres là. Ça faut avouer que c'est quand même assez cool. Alors je vais le passer hein, sans branle, on va continuer. Mais c'est vrai que bah disons que le... j'imagine que le fan de James Bond il doit grave apprécier hein. Bah, je pourrais vous mettre Carver Media. Non, le truc avec le journal de Carver, ça c'est pas mal. Après, je vous montrerai peut-être le niveau en BM et puis après on s'arrêtera là. De toute façon, globalement, c'est un jeu sympa. Après, je lui mettrai pas plus que 10. Parce qu'en fait, comme dit, c'est pas terrible non plus, c'est très court. J'y ai beaucoup joué à l'époque. C'est le jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a fait finalement m'intéresser à la saga James Bond. C'est assez incroyable. Ça m'a fait m'intéresser aux films, ça m'a fait apprécier les films en fin de compte. Alors là, vous avez vu, c'est pas mal. Alors ils nous font croire pareil au début de cette mission qu'on peut être furtif, mais bon. Pas vraiment. Alors attendez, voilà. Ça c'est sympa parce qu'on a tout de suite une salle des armes là. Avec gilet pare-balles, tout le merdier. On va en avoir besoin parce que mine de rien, c'est un niveau où on va se faire allumer pas mal. Moi j'aime bien quand il avance comme ça, ça fait... Je trouve que c'est assez stylé, ça fait vraiment... Putain, voilà, la furtivité va chier derrière l'église. C'est assez stylé, ça fait agent secret. Voilà, verrou électronique, on utilise le truc pour les empreintes. Ça aussi, c'est franchement, c'est cool. Hein. Mais je sais pas si on peut aller direct dans le bureau de Carver. Passe nécessaire, ouais, j'ai pas encore le passe. Alors les mecs qui déboulent en costard avec les guns. C'est très James Bond, hein. Voilà, fumier, je t'ai eu. On va prendre le soin, parce que pareil, vous allez voir. Mais en fait, quand vous connaissez bien les missions, vous en sortez.
Mais les premières fois, le temps de savoir... En fait, chaque mission, faut bien savoir exactement qu'est-ce que le jeu veut de nous, finalement. Alors, c'est ça qui est chaud ici, voilà. C'est les mecs au-dessus des presses, ils vous défoncent. Et comme la visée auto merde un peu... Voilà, à chaque fois, on aura une petite cinématique. Ah putain, c'est énorme, la grosse violence. Les mecs continuent à bosser, hein, vous remarquerez. C'est assez étonnant, mais les mecs continuent le taf. Bah j'ai envie de dire, l'info n'attend pas. Hein. Alors heureusement, ils nous butent vite, mais ils sont un peu cons. Mais j'ai envie de dire quand même heureusement, parce que franchement, déjà comme ça on meurt très vite, et quand il faut viser comme ça, on a pas... Moi je trouve qu'on n'a pas beaucoup de réflexes. Hein. Merde. Alors on restera aussi un des défauts du jeu, mais ça c'est la réalisation qui est très moyenne, qui est bancale. Hein. On restera souvent comme ça coincé dans des morceaux de décor. Ça c'est aussi assez... Merde. Ça aussi c'est assez chiant. Voilà. Trop fort. J'ai récupéré le pass, donc je vais aller récupérer le truc chez Carver. Et après faudra se tirer. Faudra se tirer d'ici. Bah ça fait mission secrète, c'est quand même sympathique. Hein. Bah ça c'est un des atouts du jeu, honnêtement on s'y croit quand même. C'est dommage qu'ils ont pas... Bon après c'est un jeu PS1 donc on va pas non plus... Alors, ah oui. Petite énigme. Voilà, il y a un petit bouton. Ah non même pas, faut pousser le truc. À la Resident Evil j'ai envie de dire. Hop. Bon ça, l'utilisation des gaz, même si c'est finalement dans le jeu, c'est anecdotique, mais comme à chaque, quasiment presque à chaque mission, ça c'est le l'atout du jeu, on va dire. À chaque mission, alors mec, rien à foutre. Le mec fait son boulot, le reste il en a rien à péter, il y a des gars qui se tirent dessus, il y a des mecs en armes, enfin vraiment, il est sévèrement blasé, quoi. Le gars n'en a rien à foutre, hein. Franchement, c'est assez rigolo, franchement. C'est marrant. Alors, on va essayer... Ah, merde. On va essayer de l'avoir su. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous avez vu, hein. Je vous mens pas. On crève très, très vite. Heureusement que j'ai le gilet pare-balles. Mais même avec le gilet pare-balles, hein, faut pas croire. Hein. Les mecs, quand ils nous ont... Voilà. Quand ils nous ont dans le viseur, c'est... Ils nous défoncent. Alors, la maniabilité, elle est quand même assez lourde. Assez... Bah... Elle est complètement archaïque pour un jeu d'action, pour un jeu d'action d'aujourd'hui, mais comme dit, quand on s'y met, alors là je vais me soigner, vous avez vu quand il est très blessé, il prend une autre pause, ça c'est cool aussi. Ça aussi c'est assez cool. À la Resident Evil 2 quoi, il se tient un peu, il tremblote. Voilà, bah on a fini le niveau. Ah vous avez vu comme c'est court hein. On pourrait presque enchaîner, franchement. Si j'étais en forme, là, on pourrait presque enchaîner tout le jeu. Mais bon, comme dit, avant de réussir à faire ça, bah, vous allez un peu tourner en rond. Vous allez vous demander où est le bureau, où est le machin. Vous allez... Alors, de nouveau, un petit extrait du jeu bien sympathique. Vous allez chercher, en fait. C'est une fois qu'on connaît le jeu qu'on le fait super vite. Bah, je vais peut-être vous montrer encore le convoi de voiture qui est assez sympa. Puis après, on va s'arrêter là. À jouer pour les aficionados, on est à 1 million de kilomètres de GoldenEye de la N64. Ça, c'est clair. Mais dis donc, ce jeu, il a amené aussi pas mal d'idées qui resteront dans les prochains jeux de James Bond, hein, les petits gadgets, les petits niveaux, comme ça. Les jeux de James Bond qui finalement n'ont jamais été des vrais chefs-d'œuvre, on va dire, à part GoldenEye, qui est un jeu culte, mais il est à part GoldenEye. Mais qui sont toujours, la plupart du temps, des jeux sympas. Alors lui... Alors là, c'est une petite scène de snipe dans la nuit... Si j'y arrive hein. Petite scène de sniper. C'est assez sympa. Et ta mère, je suis trop loin. Ah putain. Putain, j'ai dû gâcher la plupart de mes balles. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pareil, cette petite séquence, elle est bien sympa. Mais on se dit, ouais, bon, ils auraient pu faire un peu plus. Ah, lui, je l'ai eu. Merde.
Y'en a un autre normalement. Ouais. Ah, tu t'étais caché, enfoiré. Ouais, c'est un peu nanar. Enfin, un peu. C'est... Ah, il y en a encore un. J'en ai oublié un. Alors, on va foncer. On va foncer. Rien à foutre. De toute façon, en fait, là, c'est pareil. On peut claquer toutes nos balles parce que juste après, en fait, on a la voiture. On va aller voir Q. Il va nous donner la bagnole. C'est assez sympathique. Ah, il faudrait que je vous montre aussi. Il y a des phases. En fait, on aura des boss dans le jeu. Donc, il y a 3 phases avec des boss. Il y a aussi un hélicoptère à dégommer, un grand classique à dégommer au bazooka. Après l'incident de Hambourg, j'y ai apporté quelques améliorations. Elle est équipée de mitrailleuses plus puissantes, de roquettes. Alors là, on est parti pour une course-poursuite nanardesque. On est fait l'un pour l'autre. Essayez de me la ramener sans dégommer. Ouais, en fait, on aura des boss dans le jeu. J'ai complètement oublié de vous en parler. Donc à 3 reprises, si je me trompe pas. Alors ils ont une barre de vie. Donc eux, en fait, les boss, faudra les bourriner à mort. Des phases de bourrinage intensif. Il y a quasiment pas de technique, faut juste avoir assez de vie et de... Alors, on va tirer comme des oufs. Alors là, faut pas réfléchir, faut tout péter. Hein. Oh la musique. Putain, cette séquence, elle est quand même bien nanar. Les mecs nous jettent des mines. La maniabilité est pas GG, je dois vous avouer que c'est... Eh merde, mais pour choper de la vie, hein. On va plus ou moins à 2 à l'heure, bon c'est... Dis donc, en fait c'est rigolo quand vous le faites, mais quand vous le refaites comme ça, surtout des années après, putain c'est quand même de la merde. Bah là je suis mort. Alors vous voyez, j'ai perdu une vie. Voilà. Pris les roquettes. Il reste 5 voitures à dégommer. Alors je vais peut-être tirer les roquettes. Alors c'est du pur bourrinage. Bah, je sais pas si. Je crois les roquettes, je vais les garder pour le dernier véhicule, hein, parce qu'il nous allume bien. Il est vachement résistant. Alors, le challenge, bon, c'est du gros bourrinage. La conduite, la maniabilité est pas terrible. De toute façon, il n'y a pas vraiment de challenge au niveau de la conduite, à part pour ramasser les. En fait, faut légèrement anticiper leur. Le truc en vrai, c'est de légèrement anticiper quand ils vont tourner les virages pour pouvoir leur tirer dessus sans. Sans en prendre plein la... Alors je sais plus si c'est le dernier véhicule ça. Je crois pas. Sans en prendre plein la gueule. Mais bon. Que c'est nanar. Ah ouais, le dernier véhicule c'est un genre de véhicule blindé. Ah, on va lui jeter tous les missiles qu'on a. Oh, je l'ai eu. Alors pareil hein. Vous avez vu ce niveau comme il est court. Bah on va peut-être faire. Je vais encore vous montrer C'est Hokkaido. Déjà, on a un boss. Et en plus, je vais peut-être vous montrer ça. Et on a de nouveau une séquence à ski. Alors, vous avez vu comme les niveaux sont courts. Je me fous pas de votre gueule. Hein. Ouais, là, il me semble qu'on a un boss. Je suis quasiment sûr. Alors, on est de nouveau dans un environnement de neige. Alors, je vous passe les cinématiques. Hein. C'est pour vous montrer, parce que moi, c'est quand même un jeu que j'aime bien. C'est un jeu, bah comme dit, j'ai l'impression. Donc comme je disais, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont joué et qui l'avaient. Bah dis donc, ceux qui avaient la PS1, du coup ils avaient pas GoldenEye. Moi c'est aussi pour ça que je l'avais récupéré. Bah en fait ce jeu je l'ai eu en gravé. Hein. Et c'est aussi pour ça que je l'avais récupéré. Bah déjà parce que c'était gratuit. J'ai honte, mais bon. Et puis aussi parce que je me suis dit, tiens, en ce moment James Bond il a le vent en poupe là. Les films cartonnent, GoldenEye, bah GoldenEye on n'arrête pas d'en parler. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je l'ai eu après sa sortie, d'ailleurs. Putain, alors les mecs, ils vous bombardent, là, ils vous bourrinent comme des bœufs. Putain, vous avez vu ça. Alors là, ça commence très... Oh, merde. Alors là, ça commence mal, putain. Putain, comme ils m'ont pété la rondelle, là, mais j'y crois pas. Mais putain. Putain, je voulais choper le soin. Vous avez vu ce bâtard, il m'a poussé. Mais dégage. Bah alors franchement le combat à ski c'est de la merde. Parce que on appuie. Oh là là, mais vous avez vu ça. Alors, il faut quand même que je garde une vie parce que c'est vrai que quand on arrive les boss ils sont quand même. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est en mode. Putain les mecs ils sont en mode tournante sur moi là. Putain, j'y crois pas. Mais. Putain, comment ils sont agressifs. Allez, mange-toi des arbres. Ça te fera les pieds, connard.
putain de merde. Et mais là, franchement, j'hallucine un peu comme l'ordinateur. Non ! Ah bah voilà. Hop là, deux vies dans le fion. Alors, il s'éclate comme une merde. Vous avez vu, hein ? Il en a pris plein la gueule, le pauvre. La deuxième séquence, elle est un peu plus longue. Mais putain ! Mais ça, c'est... ça, si je... Alors là, je me... Demain ne meurt jamais, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais si je me trompe pas, la séquence à Hokkaido, je suis pas certain qu'elle existe. Là, j'ai un gros doute, mais... Oh là là, vous avez vu le bug. Hein. Bon, heureusement, il m'a fait... Putain... Eh, mais là, c'est pas possible, comme ils sont agressifs, je me souviens pas dans la séquence que c'était comme ça. Pourtant, je l'ai fait il y a 2 jours. Je l'ai terminé. Enfin, je l'ai refait en entier il y a 2 jours, là. Mais ta mère... Au moment où j'enregistre, bien sûr. Parce que sur Internet, bon... Ça n'a plus ça n'a plus aucun sens, les jours, les machins. Mais putain ! Allez ! Mais en plus, il se chiffonne comme ça, c'est... Je sais pas, je trouve ça pourri, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va faire une figure de style. Voilà. Bon, là, on est arrivé. Voilà. Donc là, on va repasser en mode flingue. Faut désactiver la sécurité. Et là vous verrez, alors là c'est marrant, alors ça tombe bien parce qu'en fait je voulais vous montrer un truc que je trouve con dans cette séquence. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est con, c'est qu'en fait là on peut rentrer dedans, mais c'est pas marqué appuyer sur rond comme dans les autres. Et du coup, mais... oh là là, alors vous avez vu, il y a un peu trop de soldats, il y a l'hélicoptère, le jeu il en peut plus là. Vous avez vu hein, mais vous avez vu. Le jeu comme il a ramé et je... Putain, je suis en émulation, mais même là, il en peut plus, quoi. Ah, ça y est. J'étais pris pour... Vous avez vu déjà tout ce que j'ai perdu aussi comme vie. Alors, ils sont où? Putain. Alors, des fois, hein, ça, c'est la visée auto, hein. Des fois, putain de merde. Eh, vas-y, encore un qui a spawn dans mon dos. Ah bah, c'est vrai qu'il y a une vie. Hein. Mais des fois, la visée auto, mais elle vise mais n'importe où. Vous avez beau appuyer, on a l'impression qu'il tire tout à côté. Putain. Voilà, je crois que je vais changer pour la Kalachnikov, parce que les mecs... Là, vous avez vu comme ils sont résistants, ces petits bâtards. On va prendre la Kalash, hein. On va mieux s'en sortir. De toute façon, là, c'est... Bon, je vais me soigner. Là, le soin, ça redonne pas non plus des 1000 et des 100, hein. Faut faire gaffe, hein. Voilà. Bon, il y a l'alerte, mais je vais vous dire franchement. Et on va rentrer dans cette baraque. Voilà. Putain, c'est vrai qu'on est dans des niveaux avancés. Ils sont plus résistants, hein. Faut y aller. Faut leur balancer plein la gueule, hein. Les munitions. J'ai pris la trousse, j'ai pris des balles. Là, on va faire... Je crois que c'est de nouveau, ouais. Sécurité désactivée, bah c'est bon. Si on tire dans les vitres, là, on peut les péter. Petit détail amusant. Mais là, vous avez vu, c'est con, parce que moi, la première fois, j'étais bloqué. C'est un truc, je m'en suis toujours souvenu. Parce que comme il n'y a pas marqué... Comme les autres trucs, pour interagir, il y a marqué appuyer sur rond pour ouvrir... Bah en fait on a l'impression qu'on peut pas ouvrir les portes et que donc il y a un... Putain... Eh, vous avez vu le défaut de ce putain de jeu, 2 mecs qui ont spawné dans mon dos comme ça. Dans mon dos. Voilà, parce que la plupart du temps, voilà, il y a marqué rond pour ouvrir. Et donc moi sur le coup je m'étais dit, ouais bah on peut pas ouvrir, hein. Eh putain, bah alors là j'ai fait n'importe... Oh là là, alors là j'ai fait n'importe quoi. Faut faire gaffe parce qu'on a le boss après, là, quand on rentre dans le bunker, l'espèce de bunker. Alors, je sais plus s'il y a des munitions ou un bonus là en haut de la tour. Putain, crève. Mec est méga résistant, hein. En tout cas, quand il est mort, c'est une putain de passoire. Alors, les graphismes, ils sont pas terribles, mais ils ont quand même... Là, par exemple, dans les niveaux de neige, là... Ah oui, de toute façon, fallait monter pour la carte. Ça a quand même un certain charme. C'est quand même sympathique.
Ça fait le taf, pas plus que ça, mais ça fait un petit peu le taf. Alors je vais juste voir là. Non, il n'y a rien. Mais vous allez voir, hein, là on est confronté. C'est encore un niveau très très... Putain. Et vas-y. Encore un mec qui a popé dans mon dos. Voilà, on va recharger. Voilà. Alors là, vous allez voir. Alors là, vous voyez, ça c'est con avec la visée auto, parce que vous avez vu, j'ai gaspillé plein de balles juste parce que en fait j'ai visé dans la caisse. Il visait tout seul dans la caisse, ce con. Alors là, il nous donne plein de trousses, mais évidemment, c'est parce qu'on a le boss. Hein. Le truc des empreintes, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Là, on a un boss, du coup. Ah, Satoshi Izaguro. Ah, Satoshi. Il semblerait que vous et Carver fassiez la une des journaux ces jours-ci. Vous faites sans doute référence à notre attentat au gaz neuroplégique, monsieur. Oh putain, alors le doublage... James Bond. Désolé, mais je vais mettre un terme à votre association avec Carver. À la cool. À la cool, James. Voilà, et comme vous voyez, lui, il a plus de vie que les autres. Mais je crois d'ailleurs que j'ai pas le sniper. Alors là... Ouais, il y aura d'autres armes. Et c'est vrai qu'elles sont, mais alors, mais totalement inutiles. Putain, il m'a tué en 2 secondes. Par contre, le sniper, vous avez vu. Alors, c'est du pur bourrinage. C'est du pur bourrinage. D'ailleurs, c'est assez chose amusante. Je sais pas si vous remarquez, on a la musique de la bande-annonce du début. La musique en mode violence. Ah, c'est du pur bourrinage. Mais comme ça, au moins, je vous aurais montré un boss. C'est vrai qu'on avait le sniper, j'ai oublié. Ben voilà, ben on a fait le tour du jeu. Hein. Les autres niveaux sont exactement du même acabit. Il y a juste le dernier niveau qui est carré. Les deux derniers niveaux qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles. Donc celui à Saigon et celui dans la base de Carver, son espèce de sous-marin là. Mais bon, globalement, c'est vous avez vu un bon aperçu du jeu. Hein. Ben moi, c'est un jeu que j'apprécie. Je vous le conseille pour les fans de 007. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.